Le syndrome de Prader-Willi est caractérisé par une trajectoire développementale particulière avec trois dimensions, nutritionnelle, comportementale et endocrinienne. La trajectoire nutritionnelle se caractérise par la présence d'un déficit de la succion et de la déglutition à la naissance, qui représente une véritable anorexie du nourrisson. Chez certains enfants, il existe même un dégoût pour la nourriture. Et ce tableau va évoluer vers une prise de poids excessive, puis une hyperphagie, avec un défaut de satiété qui va entraîner, si l'on ne met pas en place de prise en charge adaptée et précoce, une obésité sévère. La trajectoire endocrinienne est caractérisée par l'apparition de déficits endocriniens qui vont être détaillés par la suite. Enfin, la trajectoire comportementale débute à la naissance par un défaut des interactions précoces chez le nourrisson, puis est caractérisée par l'apparition de troubles en lien avec la déficience intellectuelle et les troubles du comportement. Le dysfonctionnement de l'hypothalamus explique la presque totalité du tableau clinique, c'est-à-dire les troubles endocriniens, les troubles du comportement alimentaire et les troubles du comportement, et les signes de dysautonomie. Donc, les personnes qui présentent un syndrome de Prader-Willi ont un trouble du neurodéveloppement caractérisé par une déficience intellectuelle. Ils ont un déficit cognitif léger ou modéré. Ils présentent un retard de développement psychomoteur et les enfants marchent en général vers l'âge de 2 ans. Ils présentent des difficultés d'apprentissage, un déficit des fonctions exécutives, des troubles du langage et de la communication avec des troubles de la pragmatique, rarement une dysarthrie. Ils présentent également un déficit des habiletés sociales et de la théorie de l'esprit, mais présentent rarement un trouble du spectre autistique complet. Ils ont aussi des troubles de la régulation émotionnelle, comprendre l'émotion, l'interpréter. Ils ont une labilité de l'humeur qui les fait passer très rapidement du rire aux larmes et une anxiété élevée. Ils présentent des stéréotypies, des grattages cutanéaux et muqueux et enfin des troubles psychiatriques qui vont être développés tout à l'heure. Les personnes présentent également des troubles endocriniens avec des déficits hypothalamo-hypophysaires multiples, un déficit en hormones de croissance qui explique leur petite taille, un hypogonadisme, une hypothyroïdie et très rarement un déficit corticotrope qu'il faudra bien sûr substituer. On a appris récemment que les enfants présentaient très tôt une adrénarche précoce dans 30% des cas et dans certains cas une puberté précoce, encore plus rare mais qui peut survenir. Enfin, ils présentent des taux de ghréline élevés dès la naissance et ces taux élevés persisteront toute la vie, ainsi que des taux élevés d'ocytocine circulante. On va parler des troubles du comportement alimentaire et de l'obésité qui sont une caractéristique centrale du syndrome. Avec cette séquence particulière d'anorexie chez le nourrisson avec déficit de prise de poids, puis d'un excès de prise pondérale et une hyperphagie avec déficit de satiété qui caractérise les enfants, les adolescents et les adultes présentant ce syndrome. Ceci aboutit en l'absence de prise en charge à une obésité précoce et sévère et toutes les comorbidités connues de l'obésité peuvent être retrouvées chez ces personnes. Ils présentent une composition corporelle anormale qui est différente de ce que l'on trouve dans l'obésité commune, avec un excès de masse grasse, mais accompagné d'un déficit de masse maigre. Et ils présentent également une faible dépense énergétique de repos qui fait que l'on va devoir ajuster les apports alimentaires. L'hyperphagie dans le syndrome de Prader-Willi, de quoi parle-t-on ? Il s'agit d'une pensée prégnante pour la nourriture et tout ce qui s'y rapporte, ce qui aboutit à une recherche et un stockage d'aliments, un chapardage des aliments, une impulsivité alimentaire qui fait que les personnes ne peuvent s'empêcher d'aller prendre de la nourriture, une préférence pour le sucré, et avant le moment des repas, un comportement particulier avec une agitation et des comportements anormaux pendant le repas, nettoyage de l'assiette excessif, récurage intensif, récupération de toutes les miettes, surveillance du plat des voisins et des rituels. Donc un comportement très caractéristique de ces personnes au moment des repas. La prise des repas peut être lente et minutieuse, sans qu'on ait l'impression que le temps de prise des repas va s'arrêter. Soit au contraire, il s'agit d'une gloutonnerie avec une prise rapide et des risques de fausse route. On peut observer une consommation d'aliments non comestibles ou impropres à consommer tels que la consommation d'aliments pour animaux, par exemple. Cette consommation excessive de nourriture peut s'accompagner d'une consommation excessive de boissons, pouvant entraîner des conséquences graves.
Pour évaluer cette hyperphagie, un questionnaire spécifique a été réalisé par l'équipe de Dikens aux États-Unis, qui a été publié en 2007 et qui est d'une grande utilité. Ce questionnaire apprécie trois dimensions: le comportement de la personne pour obtenir de la nourriture ou lorsqu'il pense à la nourriture, le drive qui décrit finalement l'impériosité, le besoin, l'envie très forte de parler ou de consommer de la nourriture et la difficulté rencontrée par la personne pour détourner son attention ou pour éviter les frustrations et les colères. Enfin, la troisième dimension, c'est la sévérité qui décrit comment la personne est envahie au quotidien par les pensées, les paroles et les actes qui sont liés à la recherche ou à la consommation de nourriture. À côté de ces troubles du comportement alimentaire qui sont majeurs, il existe, et on doit les rapprocher, des troubles gastro-intestinaux, les troubles de l'oralité qui démarrent dès la naissance et qui vont persister toute la vie avec des risques de fausse route et d'inhalation quand les personnes mangent très vite ou lorsque les personnes avalent de grandes quantités. Mais finalement, ces fausses routes, elles peuvent survenir à tout moment de la vie et en dehors de ces contextes. Il faut rechercher cette dysphagie par des questions et des entretiens très ciblés avec les familles et les personnes, car malheureusement, cette dysphagie est souvent silencieuse, car non exprimée par les familles, mais on les retrouve à l'interrogatoire et il faut systématiquement les rechercher. Ces patients présentent souvent une constipation avec des ballonnements qui peuvent être excessifs et aboutir à des tableaux subocclusifs qu'il faudra rechercher particulièrement lors d'interventions avec anesthésie, par exemple. Et ces épisodes répétés de ballonnement peuvent être expliqués ou pas par le contexte. On insiste beaucoup sur la palpation abdominale qui est nécessaire de façon régulière et si besoin la réalisation d'échographie ou d'une radiographie lorsque les signes sont importants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la consommation excessive de boissons, une véritable potomanie, peut se compliquer d'hyponatrémie, d'autant plus quand elle est associée à un psychotrope ou à la desmopressine qui est parfois indiquée et qu'aujourd'hui nous ne conseillons pas chez ces patients. La dysautonomie, la dysmotilité oropharyngée et intestinale que je viens d'aborder fait partie des signes dysautonomiques. Il existe aussi des anomalies de la régulation de la température corporelle, des troubles du sommeil avec somnolence diurne excessive, voire narcolepsie, cataplexie, qui sont de véritables signes dysautonomiques, des troubles du rythme dictéméral, une insensibilité à l'hypoxie et à l'hypercapnie, des troubles de la sensibilité à la douleur, une hyposalivation avec une salive épaisse. Tous ces signes sont vraiment très superposables à ce que l'on observe dans les dysautonomies essentielles ou génétiques et sont importants à rechercher même si on n'a pas de traitement spécifique aujourd'hui. Les comorbidités peuvent être nombreuses à côté de l'hypotonie, probablement d'origine centrale, qui va s'améliorer progressivement mais qui va persister toute la vie à un degré moindre. Les troubles respiratoires du sommeil avec des apnées centrales essentiellement qui peuvent être associées à des apnées obstructives. Et donc, ces patients présentent un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. On recherche également des problèmes orthopédiques, en particulier la scoliose, qui, on le sait aujourd'hui, peut arriver chez les personnes avant l'âge de 4 ans, dans 30% des cas, et au moment de la puberté, dans 50% des cas environ. Il s'agit d'une fréquence très importante de scoliose dans cette pathologie. Elle peut être associée à une cyphose, surtout lorsque les patients sont très obèses. Et on retrouve aussi, chez les enfants et plus tard, une dysplasie de hanche assez fréquente, autour de 15%, qui est souvent associée à une hyperlaxité qu'on retrouve chez ces enfants. L'épilepsie a été décrite entre 20 et 30% des cas, mais dans notre expérience, elle est moins fréquente, sauf s'il existe une forme génétique particulière avec une délétion longue. On retrouve également, surtout sur les enfants plus âgés et les adolescents, une possibilité de lymphœdème et un risque élevé d'érysipèle, surtout lorsque les personnes sont très obèses. Enfin, on s'occupera également des troubles ophtalmologiques, myopie, hyperopie, qui doivent être corrigés et des problèmes dentaires qui sont de moins en moins fréquents. Nous avons mis à jour en 2021 et la HAS a publié ce programme national de diagnostic et de soins qui reprend tous les signes du syndrome de Prader-Willi, la prise en charge, les évaluations qu'il faut mettre en place et le suivi de ces personnes à tout âge. La prise en charge et multidisciplinaire, comme on vous l'a expliqué, et les patients sont suivis dans le centre de référence ou le centre de compétence, c'est-à-dire au niveau des centres hospitalo-universitaires, en lien avec le médecin traitant.
Les liens avec les établissements et structures médico-sociales sont indispensables tout au long de la vie afin de mettre en place une prise en charge cohérente entre les soignants, les personnes avec le syndrome et leurs familles. Au sein du CHU, les équipes doivent s'appuyer sur les équipes susceptibles d'apporter une expertise, en particulier les CSO, centres spécialisés obésité, qui ont une expertise pour les situations concernant les obésités complexes et peuvent bénéficier aussi du savoir-faire des équipes de la filière déficience, c'est-à-dire des centres de compétences et ou de référence de la déficience intellectuelle. Ceux-ci vont apporter la dimension évaluation fonctionnelle de la personne sur toutes les dimensions de la déficience intellectuelle. À proximité du lieu de vie, les équipes des centres de référence et de compétences peuvent s'appuyer sur les équipes relais handicap rares qui pourront être une aide considérable dans des situations complexes, faisant le lien entre les équipes des CHU et le médecin traitant et la famille. Cette organisation des soins permet de capitaliser les expertises et de les développer au service de ces patients et de leurs familles qui sont extrêmement attachants.